Eh bien bonjour tout le monde, putain, faut toujours que je baisse le son, c'est terrible. Eh bien bonjour tout le monde, c'est les Mikoupai, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Skyward Sword, où nous faisons enfin le premier temple. Alors ça a été un truc comme... Oui maître, que puis-je faire? Ah non, ok, que dalle. Tant pour moi, je pensais qu'elle avait un truc à me dire, Faye, mais non. Aïe. Donc je vais quand même tenter de le faire sans regarder de vidéo, évidemment. Si je galère trop, bon bah voilà. Hein. Faut s'y attendre. Que c'est ce qui va arriver. Il y aura des coupures. Donc à voir. Hein. Connor va. Allez hop, ça va être plus simple comme ça. Waouh. Putain, en plus je crois que c'était chronométré. Ok, je crois savoir ce qu'il faut faire. Ah, qu'est-ce que je suis fort. Vous avez très bien compris. Ouais. Maintenant, je vais devoir utiliser des aides. Eh bah putain, il a fallu 3 minutes pour que ça arrive. Pas mal, hein. Yeah, merde. Oh. Foiré. Bon allez, on s'en tape. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, ça donne juste un rubis. Et toi? Ah, bah vas-y, on va sauvegarder. Hein. Après tout, au moins s'il y a game over, on pourra revenir ici. C'est mieux que rien. Je sais pas comment je fais, mais tant mieux. D'accord, donc il me faut une clé. Ok, là non. Mon dieu. Non. Voilà, mourez. Mais du coup, je fais comment pour aller là-bas? Bah ouais, non. What? Ah! Putain, elle est là, cette merde. Crève, pétasse. Purée. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon dieu, qu'est-ce que ça va être relou les temples. Ouais, déjà que je suis plus la merde dans les jeux, alors là. Attendez-vous à pire. Hein.
Et encore, là je parle de ça, mais il y a d'autres jeux Zelda qui arriveront un peu plus tard et qui ont déjà été dévoilés, je crois, en plus. Donc ouais, là ça va être chaud. Ok, alors c'est bien que j'ai fait ça, très bien. Ah, mais peut-être que... Ah. Alors j'en sais rien, mais je vais quand même prendre le risque. Qui sait? Peut-être que l'eau va augmenter ici aussi. Ah, ça a un peu augmenté, effectivement. Fait tout seul, jamais de la vie j'aurais trouvé le truc. J'aurais fouillé partout et je l'aurais trouvé au bout d'une heure. Ce qui aurait été très con du coup. Oh, la grosse attaque que j'ai fait. D'accord, autant pour moi, il n'y a rien qu'on peut voir. Hey! Non, on me dit pas qu'il fallait vraiment le faire comme ça. S'il te plaît. Ok, parfait. Non. Mais plus rien. Allez, va te faire enculer. Je déteste ma vie. D'accord, donc faut que je passe là. Voilà. J'imagine que maintenant on peut se tailler. Bah non, il y a un truc là-bas en fait. Je sais pas. Je tente, hein. Un petit coffre. Soit ça va être de la merde, soit ça va être... Ça va pas être de la merde, ok. Ça va être un truc important, j'imagine. Waouh, la carte donjon. Mon dieu, quel bordel. Oh, Zelda. Maître Fay au rapport, vous avez obtenu la carte de cette zone. Appuyez sur moi pour la consulter. Vous pouvez blablabla. D'accord, mais tu peux arrêter de clignoter comme si... Ok, nous y revoilà. Donc, faut monter là. Voilà, me casse pas les couilles, connasse. Hé!
Oh là là, ce jeu. Ah voilà. Waouh. Allez hop, c'est parti. Allons ici. Mon Dieu. Ah, on est arrivé dans l'autre salle du coup. On était... Bah oui, voilà. Ah, voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé le bon angle. Ok. Mon Dieu, enfin. C'est la clé, j'espère. Ah, la petite clé. Let's go. J'ai peut-être pas fait le bon endroit pour partir, mais bon, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. On est libre. On a la clé, putain. Et des cœurs. Et merde. Et hop. Mon Dieu, ce que ça a pris du temps rien que pour le premier endroit. Le sniper. Boss. Mon Dieu. Yeah! Yes. Wow. Un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La boussole, j'imagine. Et non, le scarabée, cet engin en forme d'insecte vole dans les airs et vous permet d'explorer les environs. Placez le curseur à l'endroit vers lequel vous voulez qu'il s'envole, puis appuyez sur ZR. Ah, enfin. Vous avez obtenu un nouvel objet. Mon analyse indique que cet objet en forme d'insecte est capable de voler. Waouh. Dirigez-le à distance une fois qu'il a pris son envol. Voilà, blablabla. Ok, c'est bon. Et hop. Voilà. Alors. Ok. Bon, il y a une ouverture tout en haut. Parfait. Et hop. On a déjà deux quarts de cœur, donc honnêtement, autant en prendre un troisième, quoi.
Oh! Sympa ça. Bah au moins on le sait maintenant. Ouais. Allez, continuons. Et hop. Allez, continuons. Sait-on jamais, il peut avoir un petit truc secret. Ah, bah là on a rien. D'accord. Bon. Ça y est, je suis arrivé au boss. Putain, ce serait beau, hein. Non, deuxième mini-boss. Ok. Chou. Ah, c'est pour avoir un coffre, ok. Eh merde! Ah la pute! Ah. Ouais, donc c'est si jamais on n'en a rien à foutre du coffre, ce qui serait probable. Ah oui, ça on va en avoir besoin. Putain. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. C'est par miracle, même pas eu besoin d'internet pour celle-là. Peut-être qu'elle était beaucoup plus simple à comprendre. Wow! Ah, c'est pour aller. Ah, bah oui, du coup, de l'autre côté. Zelda, on va te chercher, meuf! Ah, il y a un truc là-bas. Je l'ai vu. Je sais pas ce que ça va m'ouvrir, mais je l'ai vu. Ça va peut-être nous débloquer un autre objet. Hein. Ouais, bah toi, ta gueule. Hein. Ou alors, non, c'était juste pour. D'accord. Pas compris, mais ok. Ah, bah oui, ça s'est ouvert. Du coup, bah, faut aller là-bas, tout simplement. Ok, c'est bon. Bon.
bordel de merde. Ah, j'ai galéré pendant 5 minutes à le faire. Vraiment, je voulais faire ça, mais je n'ai pas réussi. Ok. Oh, fais chier, il veut pas donner de... Eh merde. Oh, l'horreur. Allez hop, nique ta mère. M'emmerde pas longtemps lui. Ah oh. Oh non, ça roule. Lui. Allez hop. Bah oui, quand même, touche. Ça fait plus simple, effectivement. Et c'est quoi ça? Ah, le grand coffre. C'est pour le boss, j'imagine. Deux les petits monstres. Je voulais pas te tuer, mec. Mais je n'avais pas le choix, c'était soit toi, soit moi. Ok. Je m'attends au pire. Je sens que je vais me faire enculer, mais bon, au point où on en est. C'était sûr. C'était sûr. Je déteste ma vie. Suicidez-moi, s'il vous plaît. Peux descendre, connard. Voilà. Putain! Mon Dieu! Waouh!
Sérieux, mais quelle horreur! Allez hop! Non mais sérieux, même pour ça, on nous fait une énigme! Mais allez vous faire enculer! Ah là! Enfin fini ce temple de merde. Sincèrement, j'ai pris 1 heure et demie, 2 heures pour le faire. Je ne déconne pas. Oh, c'est chiant, je pensais qu'il allait me faire une petite sauvegarde avant. Je crois que là, ce que je vais faire avec le... Oh, bah on le voit enfin, lui. Tiens donc, regardez qui voilà. Non seulement tu as survécu à ma tornade, mais en plus tu as réussi à te frayer un chemin jusqu'ici. Enfin, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille derrière cette porte qui projette une puissante aura. Non, mais je ne me suis pas encore présenté. Quel mal a pris je fais parfois. Je suis Ghirahim, monarque démoniaque de ce monde que vous appelez la Terre. Je ne m'offusquerai pas si tu m'appelles Seigneur Ghirahim. Oh. Oh, tu oses te dresser en travers de ma route. Tu devrais plutôt t'incliner devant ma beauté. Pas si beau que ça, vu que j'ai jamais vu de cosplay sur ce personnage. Ah, il y a des cosplays sur tout, ou les personnages de Zelda, mais lui, je le vois presque jamais, hein. Et pourtant, des cosplays de persos masculins, il y en a pas mal, hein. Qu'il soit fait par des filles ou par des mecs, du coup, hein. Alors qu'il est, la jeune fille devrait déjà être entre nos mains. Oh. Mais il a fallu que cette maudite servante de la déesse intervienne. Imagines-tu un seul instant comment j'ai pu me sentir? Furieux, enragé, d'humeur massacrante. Ouais, bon, là, j'ai mal à la gorge. La tournure que prennent les événements me donne des envies de meurtre. Je te comprends. Ce temple m'a donné des envies de meurtre. Mais il ne serait pas digne d'un seigneur démoniaque de tuer un enfant comme toi. T'es pas si démoniaque que ça, alors. Non, je vais me contenter de t'infliger la pire souffrance qu'aucun humain n'a jamais endurée. Se faire écraser les couilles. Ah, vous rigolez, mais je vous jure que si quelqu'un vous le fait, vous allez chialer votre race, hein. Waouh. Allez. Monarque démoniaque. Aïe! T'es méchant. Oh mon dieu, il préchote tout. La cible verrouillée est Ghirahim. Cet individu se fait appeler le monarque démoniaque. Je ne dispose que de peu d'informations sur ce sujet. Oui. Ah. Pardon? Hey! C'est une bien belle épée que tu as là, mais il me suffit d'observer ta posture pour l'arrêter d'une seule main. Hey! Il me l'a pas rendu en plus, l'enculé. Attends, et si je lui balance ça à la gueule, qu'est-ce qui se passe?
Aïe! Hé! Ok, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, faut y jouer par mouvement, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus simple de y jouer par mouvement. Enfin, du moins pour Giraïm, hein, pour les autres boss à voir. Ouais, non, ok, ça pue la merde. Putain, les joueurs, oui, en plus avec leurs bugs qu'ils avaient sur la Wiimote, franchement, ça. Moi, je me plains, mais pour eux, ça devait être encore plus horrible. Hein. Franchement, quelle horreur ce jeu, mais quelle horreur! Oh, c'est le premier jeu de la licence, de la saga, mais franchement, quelle merde! Mais quelle merde! Je n'ai jamais joué à une merde pareille, pourtant, il y en a des merdes hein, sur cette chaîne. Il y en a des jeux de merde. Mais comme ce combat-là, waouh! Ok. Maintenant ça va être duel à l'épée, j'imagine. Aïe. Yeah, salope. Ouais, ou. Ouais, quand même, hein. C'est peut-être mieux. C'est sûr. Ah bah nouvelle phase. Aïe. Ouais bon là vu qu'on va peut-être pas tarder à crever hein, dans le doute. Come on.
Sa mère la pute, enfin! Mon Dieu! Oh, je vois que tu ne te débrouilles pas trop mal. Mais tu n'as pas vraiment de mérite. Tu ne le dois qu'à cette épée. Je suis las de jouer avec toi. Je ne ressens plus la présence de la jeune fille. Je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux. Je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise plus de te mettre en travers de ma route. Comment tu sais que je viens des cieux? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'humain sur Terre. Wow. Mon Dieu, enfin. Oh ouais, de la vie. Oh. Waouh. Trop stylax. Où suis-je? Ah, mes yeux, ça fait mal. Ah, des petits oiseaux. Ok, des cilia. Source de la contemplation. Merde. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais tout traduire leur message. Je vais vous traduire, pardon. Des abîmes du temps nous guideront celui que la déesse aura d'une mission investie. La prêtresse des cieux, pour son corps purifié, se mettra en chemin pour deux terres sacrées. Après la source de la contemplation, la source de la terre est sa destination. Dans la contrée d'Ordine, où rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tous, la source de la terre. Portée par sa mission, la prêtresse du destin pour cette terre lointaine se mettra en chemin. Vous avez obtenu la stèle Ruby, c'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître Lick, selon les mots que je vous ai traduits, Dame Zelda est venue ici se purifier. La probabilité qu'elle soit dirigée vers la source suivante sur les terres d'Ordine est de 97%. Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'y est rendue. Selon mes estimations, si vous retournez à Salzbourg pour placer dans son piédestal la stèle que vous venez d'obtenir, une nouvelle colonne de lumière devrait s'élever de la terre et vous permettre de continuer à rechercher Dame Zelda. Vous pouvez utiliser la statue d'oiseau qui se trouve à l'extérieur pour gagner le ciel. Ouais, bah on le regagnera. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est moi, t'as trouvé mon ami comme toi? Non, ton ami comme toi. Nu, tu m'as déjà oublié, c'est moi, Pierre Selle, c'est pas très gentil. J'ai retrouvé tous mes amis, Tiquiz, c'est grâce à toi, le ver. J'espère que tu trouveras ton ami comme toi. Ouais, bah on ira la chercher la prochaine fois parce que cette vidéo m'a beaucoup trop cassé les couilles. Et le montage encore plus. Bon, même si en soi c'est que des coupures, ça m'a quand même emmerdé d'en faire. Parce que déjà je suis un gros flemmard de merde pour commencer. Mais bon, ça vous devez le savoir, hein, parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai repoussé ce jeu. Et 3 ans pour Majora's Mask. Parce qu'à la base, Skyward Sword et Majora's Mask étaient prévus pour printemps et été 2022.
On est fin 2024. Majora's Mask arrivera en 2025. Si je n'ai pas la flemme et que à la place je ne fais pas un autre jeu Zelda, genre. Bah, les jeux Game Boy, justement. Ah, tout est possible avec cette chaîne YouTube, c'est ça qui est magnifique. Putain, là, j'ai l'impression que le jeu il est devenu beaucoup plus fluide. Je sais pas, peut-être moi qui ai un problème, bref. Voilà. Bon, ça m'a bien cassé les couilles. Maintenant, bah, j'espère que ça va devenir un petit peu plus simple. Dans tous les cas, on ira à Salzbourg la prochaine fois. Je préfère pas le faire maintenant parce que si jamais il y a plein de dialogues quand on revient. Voilà, mieux vaut qu'on se tape tout la prochaine fois, ce serait mieux. Puis ça sera moins relou aussi, hein. Ce sera début de vidéo, ce serait bien. Puis voilà. En tout cas, voilà, si cette vidéo très longue et très chiante vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemmy Koopa et puis. Au revoir tout le monde. Ah putain, yes. Enfin, on en a.